Bonjour, Christelle Duquenoy, initiatrice de la communauté Le Sourire en Partage. Aujourd'hui, dans le cadre de nos entrevues Sourire, nous allons aborder un thème plutôt original, la sexualité sourire. Peut-on mettre du sourire dans notre sexualité? Ça va être la question du jour. Et pour y répondre, je suis en compagnie de Julie Isabelle. Bonjour Julie. Bonjour Christelle. Alors, merci déjà d'être disponible pour nous et je suis très heureuse de pouvoir faire cette entrevue avec toi. Merci, je suis très, très heureuse et même très honorée d'être ici cet après-midi avec toi et avec vous tous en plus pour vous partager ma passion. Alors, c'est un immense cadeau. Merci. Alors, c'est tout d'abord un ami qui m'a invité un jour à un de tes lives sur le groupe Tantra Québec. Et j'y suis allée, puis je t'avouerai que depuis, je les suis tous avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'on y apprend beaucoup. Alors, on va commencer par le sens large et je vais te demander la sexualité en général, tu la définis comment? Comment je définis la sexualité en général? Waouh, je ne m'attendais pas à cette question-là. C'est une bonne question. À la base, pour moi, la sexualité, c'est un moyen de s'unir. C'est aussi un moyen de communication dans le couple. Et je trouve qu'il est très mal exploité parce que franchement, la communication dans la sexualité, ça craint. Je me fais un privilège, un honneur et un plaisir d'enseigner différents outils pour la transformer. Parce que la sexualité manque cruellement d'éducation. On parle de nos adolescents, mais malgré tout, on arrive à l'âge adulte avec très peu de bagages, très peu de connaissances pour vivre une sexualité saine et épanouie. Ce qui éduque nos jeunes hein, aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on trouve sur Internet et ce n'est certainement pas du contenu de qualité. Et même c'est du cinéma. Alors, nos jeunes apprennent faussement la sexualité sur du cinéma par des acteurs, des actrices, par un script, il faut le dire vite, là. Mais quelque chose qui n'est pas réel. Mm-hmm. Et là, les jeunes filles essaient de copier ce modèle-là, qui est une sexualité créée par l'homme pour l'homme et où il n'y a rien pour la femme en retour. Donc, c'est impossible que ce soit épanouissant. Parce qu'à la base, la sexualité, ça reste la sexualité. C'est un acte, bon, où il y a normalement des préliminaires, souvent de la pénétration, ça finit assez rapidement, puis bon, il n'y a pas tant de communion, d'union ni de communication dans cet acte-là. Oui. Et dans tes coachings, ton expérience, est-ce que ça t'est arrivé de voir des personnes qui ont perdu le sourire au lit? Et pour quelles raisons? Énormément! Malheureusement, énormément! Autant des hommes que des femmes. Donc, moi, je suis sortie complètement des stéréotypes parce que les hommes m'ont vraiment beaucoup surprise à se dévoiler dans leur vulnérabilité et aussi dans leur désir sincère de vivre une sexualité saine pour eux. Et ils veulent aussi beaucoup d'outils pour aider leur partenaire à s'ouvrir et à vivre une sexualité vraiment engageante et épanouissante. Et parle-nous, tu as des besoins particuliers des hommes et des femmes? Les hommes cherchent... Bon, il y a comme deux clans. J'aime pas dire ça comme ça, mais je sais pas comment dire autrement. Il y a comme deux types. Il y a des hommes qui sont vraiment centrés sur leur plaisir et pas très réceptifs à celui de la femme. Donc, c'est très proche de la sexualité de reproduction, de la sexualité instinctive et sans conscience, vraiment. Et il y a les hommes qui, eux, souvent, le plaisir de leur partenaire passe bien avant le leur. Ils sont très présents et très conscients et très désireux d'apprendre. Alors, c'est difficile de généraliser qu'est-ce que les hommes veulent, mais de façon générale, ils veulent, oui, leur plaisir à eux, mais c'est très important pour beaucoup d'entre eux de satisfaire leur partenaire.
La femme, quant à elle, ça c'est vraiment clair, la femme recherche la connexion à l'autre. Elle a besoin d'une grande intimité, mais elle a vraiment ce besoin-là d'union, de se sentir connectée à une autre personne vraiment profondément. Alors ça se démarque vraiment, ce désir-là chez la femme. D'accord. Et quels seraient les principaux critères, selon toi, d'une sexualité épanouie? C'est une sexualité où la communication est libre et fluide. C'est une sexualité où on peut s'exprimer facilement et on peut aussi saisir notre partenaire sans nécessairement, ça c'est une communication avec des mots. Donc, le langage corporel est évidemment très, très, très important. Et c'est une sexualité où on se sent connecté à l'autre et après l'acte sexuel, on se sent aussi rempli d'énergie, non pas vidé énergétiquement. Et c'est là tout l'intérêt de la sexualité sacrée. Parce qu'on va utiliser l'énergie vitale, on va la faire circuler, on va vouloir l'emmagasiner dans notre corps pour se recharger et de s'en servir non plus seulement comme un moyen de plaisir, mais aussi comme un moyen de guérison, un moyen de vitalité et peut-être même un moyen d'élévation spirituelle, tout dépendamment de ce que je fais avec cette énergie-là. Donc oui, ta spécialité, c'est la sexualité sacrée, le tantra. Qu'est-ce que c'est exactement la sexualité sacrée? Est-ce que tu aurais une définition à toi? Et pourquoi est-elle une sexualité sourire? Oui, bien, la sexualité, en fait, dans la vie, tout est sacré. Selon Osho, un maître tantrique qui était très connu dans les années 70, qui est décédé depuis, je pense, une dizaine d'années, tout dans la vie est sacré. Ça dépend de notre regard et de notre intention. Alors, pour moi, la sexualité devient sacrée lorsque j'y accorde ma présence et ma conscience. Mm-hmm. Lorsque je prends le temps de me déposer, lorsque j'amène de la lenteur pour vraiment avoir conscience de tout ce qui se passe entre les deux personnes, autant à l'intérieur de moi qu'à l'intérieur de l'autre. C'est une sexualité où le désir de fusion, de faire un, est très grand, très important. Alors, au-delà de l'union des corps, je vais aller chercher une union énergétique, une union même de l'âme, si on peut dire ainsi, pour sentir que vraiment à deux, on devient un et qu'on peut s'élever vibratoirement. Alors oui, c'est ça. On peut dire que la sexualité sacrée, on pourrait dire, c'est une danse énergétique de deux âmes en amour. C'est exactement. C'est une danse. Et cette vague énergétique, on peut la diriger vers une intention particulière. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret pour nous expliquer cette notion-là? Oui, effectivement, l'intention, c'est une des 6 clés que j'ai partagées dans mon e-book, mes 6 clés secrètes pour une sexualité sacrée. Alors, l'intention, c'est la direction que je veux donner à l'énergie qui est créée pendant l'acte sexuel. Alors, je pourrais décider comme intention de maigrir moi-même ou mon partenaire, comme je pourrais choisir de guérison pour l'humanité. Je pourrais choisir comme intention d'amener la présence à toutes les personnes qui ont peur pendant ce confinement relié à la COVID-19. Je pourrais choisir quelque chose d'aussi terre à terre que j'envoie cette énergie-là pour vendre ma maison qui ne se vend pas depuis un an. Alors, je l'utilise pour manifester ce que j'ai envie de manifester. Je pourrais mettre l'intention de m'élever spirituellement et pour créer, matérialiser cette intention-là, ben, je vais monter le flux d'énergie créé dans mon corps, qui est beaucoup dans le bas-ventre, dans les organes sexuels. Et avec la respiration, je vais la faire monter dans les chakras supérieurs, dans le troisième œil, dans la couronne, pour connecter à des niveaux vibratoires plus élevés. Donc, c'est une sexualité sourire qui peut être pour soi, mais aussi pour beaucoup plus grand que soi, finalement. C'est infini, la sexualité sacrée. Je peux en faire ce que je veux. Je peux l'utiliser pour moi, pour le couple, pour l'humanité, si je le souhaite. Ça va vraiment avec ce que je veux créer dans ma vie. D'où l'importance de la communication aussi, pour être ensemble. Forcer l'intention,
C'est idéal quand les deux partenaires ont la même intention C'est ça. et qu'ils l'envoient dans l'énergie en même temps. Alors là, ça devient très, très puissant, idéalement au moment de l'orgasme. Alors, ça fait dans l'univers ne peut ignorer cette demande. Et dans cette danse, on peut devenir ce qu'on appelle, aussi bien l'homme que la femme, multi-orgasmique. Comment on y arrive? Tout est basé sur la respiration. Lorsqu'on veut développer ce potentiel-là, ben, premièrement, j'aimerais expliquer un peu ce que c'est le multi-orgasmique. Oui. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça. Et il faut savoir à la base que c'est un phénomène énergétique. Quand on parle d'orgasme multiple, ce n'est pas une succession d'orgasmes physiologiques tels qu'on les connaît. Hein? La fin de l'acte sexuel, l'apothéose, le gros orgasme, après, tour vibratoire descend. On est fatigué, on s'endort. Bon, bref, on n'est pas toujours à notre meilleur. On perd la vitalité, littéralement. Et même souvent, l'homme se déconnecte énergétiquement de cette partenaire, de sa partenaire, parce que la faiblesse attire la faiblesse selon le taoïsme. Donc, quand après l'éjaculation de l'homme, l'énergie descend vraiment bas et il se déconnecte temporairement de sa partenaire. Lorsqu'on veut atteindre des états d'orgasme multiples, on va, dans un premier temps, accumuler l'énergie dans le ventre, dans le bas-ventre, en accumulant le plaisir, l'excitation sexuelle, sans se rendre à l'orgasme. Et quand on arrive juste avant, on va commencer à respirer cette énergie-là pour la faire monter dans son corps. Et là, avec la pratique, on va réussir à empêcher l'orgasme physiologique pour en faire des vagues orgasmiques de plaisir dans le corps qui, elles, peuvent durer des heures durant, bref, tant et aussi longtemps que je vais alimenter l'excitation sexuelle, puis la connexion qui est là entre les deux partenaires, je peux vivre cet état-là d'extase, par contre, des vagues d'orgasme dans mon corps. Mais c'est comme des vagues de plaisir, mais c'est au niveau énergétique. Donc, il ne serait pas l'orgasme physiologique là, de contraction, de tremblement intense, puis après, le corps est complètement épuisé, fatigué, complètement au repos. Donc, on peut rester sur cet état-là vraiment très, très longtemps. Et comme notre corps, nos cellules baignent dans une énergie vraiment élevée tout ce temps-là, c'est extrêmement régénérateur. Donc, on va dire qu'on passe d'une sexualité plutôt animale, rapide, et qui se termine en général par ce que j'appelle l'auberge des cures tournées, où les deux sont endormis. Oui, effectivement. À une sexualité qui est plutôt sacrée, illimitée dans le temps, parce qu'elle peut durer plusieurs heures, et qui donne une énergie, comme tu dis, incroyable et illimitée. C'est ça? Tout à fait. Puis par la suite, ben, on est libre, admettons, ben, à la fin, l'homme peut décider s'il éjacule ou pas, et s'il choisit de ne pas le faire, son énergie reste très élevée, et là, ça devient possible de garder une fréquence sexuelle très élevée parce que l'énergie ne descend jamais. Elle reste toujours à son apogée, bien évidemment, elle descend un petit peu parce qu'on commence à vivre notre vie de tous les jours, mais comme il n'y a pas la baisse flagrante, intense d'énergie reliée à l'éjaculation, bien l'homme, il reste toujours dans un potentiel où il est capable de remonter rapidement dans son plein potentiel sexuel. J'ai une question du coup qui arrive, c'est est-ce que quand on y a goûté à la sexualité sacrée, est-ce qu'on revient un jour en arrière ou il n'est plus question de ça? Ben, je peux te répondre pour moi parce que j'imagine que la réponse n'est peut-être pas identique, mais d'après moi, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme moi quand on a goûté à ça, effectivement, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière possible. OK. Ceci étant dit, parce que ça porte à confusion cette question-là, ce qui est intéressant dans la sexualité, c'est la variété. Donc, si c'est toujours la même, ça se passe toujours de la même façon, ça devient ennuyant. Donc, quand on dit ça, on pense souvent à la moyenne générale qui est de maximum 7 minutes pour un acte sexuel.
Mais si je fais tout le temps des 2 heures, 3 heures, 4 heures, ben ça reste que c'est toujours la même chose aussi. Donc, ce qui crée l'intérêt dans la sexualité, c'est la variété. Ça n'empêche pas d'être créatif. Pas de retour en arrière, ça veut dire, pour moi, que je pourrais plus vivre une sexualité constante avec un partenaire où c'est toujours une sexualité, je vais mettre en guillemets, conventionnelle. Mais je peux alterner des moments de sexualité sacrée, des moments de sexualité conventionnelle où ça peut être très rapide, ça peut être très amusant aussi, tout dépendamment de ce qu'on vit. On n'est pas chez soi, on a envie de vivre un petit moment de folie. Et c'est super merveilleux aussi. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas une sexualité sacrée selon les critères, si on peut dire comme ça, d'une sexualité sacrée, que ce n'est pas intéressant. Par contre, une fois qu'on y a goûté, l'exclure de façon permanente ou constante de sa vie, ça devient, pour moi en tout cas, absolument pas envisageable. Impossible, oui. Donc, on y prend goût, mais après ça, ça ne nous empêche pas de varier les plaisirs, on va dire. Puis je le compare souvent à la restauration. C'est comme, on s'habitue, hein, un repas 5 étoiles, on aime ça. Mais de temps en temps, un petit fast-food, on est sur la route, on aime ça aussi, là. Oui, c'est, je pense que c'est une belle image. Ça illustre bien le... Un petit hamburger sur le barbecue l'été, c'est bon aussi. Alors, moi, je pense que tu as donné envie à pas mal de personnes à l'expérimenter, en tout cas. J'aurais une question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre, tester en solo ou on a obligatoirement besoin d'un partenaire? Absolument. Et je pense que c'est la meilleure façon de débuter. Parce qu'on va expérimenter le sounding, qui est le fait de mettre une voix pour aider à faire bouger l'énergie dans le corps et à ouvrir le chakra de la gorge. On va utiliser la respiration. Donc, quand il y a l'énergie... En fait, en taoïsme, le bassin de la femme, tout l'abdomen, on appelle le chaudron. Quand le chaudron est plein de cette énergie-là, d'excitation sexuelle, bien, c'est là qu'il faut utiliser la respiration, puis la montée, puis le sounding. Donc, il y a un certain aspect technique à la pratique de la sexualité sacrée. Parce que le tantra, là, c'est pas... Les gens pensent que le tantra, c'est du sexe, de façon générale. Ils savent pas trop, il y a quelque chose de mystérieux, mais c'est bien au-delà de ça. C'est des pratiques particulières pour vivre une sexualité sacrée. C'est des pratiques pour amener la sexualité à élever sa conscience. Donc, c'est une sexualité en conscience. Qui dit conscience, dit présence. Donc, c'est pas de m'abandonner dans le plaisir puis même déconnecter de mon partenaire tellement je suis rendue loin dans mon plaisir. C'est pas ça. C'est toujours rester présente à soi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, puis rester présent à l'autre aussi. Si je veux pratiquer ma respiration, mais je sais, je veux pratiquer ma respiration, on a besoin de se pratiquer. Donc, je pense que c'est pas l'idéal de commencer à deux parce que là, il peut y avoir un petit malaise, on peut se mettre à rire ou on peut être un peu frustré parce qu'on a l'impression que ça coupe le flow normal de la sexualité, surtout lorsqu'on est habitué d'une façon particulière. Hein? Quand on est habitué de prendre une voie, on se met souvent sur le mode pilote puis on prend ce chemin-là. Moi, personnellement, ça m'arrive souvent. Comme enfant, je prends la voiture. Je suis tellement habituée de faire le chemin du travail. Mais là, si cette journée-là, je ne vais pas au travail, ben, si je suis plus ou moins présente, ma voiture se dirige au travail. Oui. Mon sexualité, c'est la même chose. Si je suis habituée de toujours faire l'amour de la même façon que mon partenaire, ben, il faut encore plus de présence et de conscience pour dire « OK, non, je ne vais pas dans ce chemin-là parce que là, j'ai décidé d'expérimenter un autre chemin. » Alors là, je veux rester présente, je veux respirer, je veux faire du sounding, je veux être vraiment à l'écoute des sensations dans mon corps. Puis pendant que je fais ça, je veux rester à l'écoute de mon partenaire aussi. Là. Il est-tu encore là avec moi? Ça se passe bien dans son corps? Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce qu'il est déjà tanné puis moi, je vais juste commencer? Ou est-ce qu'on est au même diapason? Donc, c'est tout ça. Donc, je pense, puis c'est comme ça que je l'enseigne aussi, qu'il est préférable de pratiquer seul dans un premier temps. Et lorsque j'ai une certaine aisance à respirer et à faire circuler l'énergie dans mon corps, que ça commence à devenir une deuxième nature, là, ça commence à être un bon moment pour la pratiquer à deux. D'accord. Donc, comme on dit, pour changer une habitude, hein, il faut à peu près 45 jours. Donc, on peut se dire que chacun de son côté,
on se pratique pendant un certain laps de temps et après, quand on se sent prêt, on communique et on commence ensemble. C'est l'idéal lorsque les deux partenaires veulent l'expérimenter. Mais si jamais vous êtes dans une relation, parce que c'est une question qu'on me pose vraiment souvent, on est dans une relation, on est intéressé à développer l'aspect tantrique dans notre vie amoureuse et sexuelle et pas l'autre partenaire. C'est possible quand même de le faire. La façon que je respire, je peux le faire d'une façon vraiment discrète que l'autre ne s'en rend même pas compte. Puis j'apprends à faire circuler l'énergie dans mon corps et moi, je peux devenir seule, multi-orgasmique. Puis mon partenaire, il peut vivre la sexualité de la façon dont il a envie. Mais c'est quand même tout à fait possible de le vivre, même si l'autre n'est pas intéressé à le vivre en présence et en conscience. C'est sûr que ce n'est pas la même expérience. L'autre n'a pas un niveau de présence et de conscience comme soi. C'est sûr qu'il y a un petit niveau de frustration où on aimerait plus, mais bon, on ne peut pas faire se forcer à ces choses-là. On ne peut pas pousser sur une fleur pour sa croissance, pour attendre qu'elle soit prête elle-même à s'ouvrir. Ouais. Donc, en fait, c'est on peut se pratiquer en solo, on peut faire ça tous les deux en conscience et il y a quand même l'option où on peut le faire en solo à deux. Donc, il y a quand même tout. Et puis, bon, tout en sachant évidemment que la plus belle façon de le vivre, c'est à deux ensemble, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors, maintenant qu'on a donné envie à la plupart de ceux qui nous écoutent d'expérimenter ça, peux-tu nous dire quel accompagnement toi tu proposes? Qu'est-ce que c'est le groupe Tantra Québec et comment on peut le joindre? Et toute autre actualité que tu aurais à nous partager. Alors, Tantra Québec, c'est un site internet. C'est une page professionnelle qui sert de vitrine, mais c'est surtout un groupe privé dans lequel je fais un live par semaine pour traiter d'un sujet relié la plupart du temps au tantra, mais des fois aussi à la conscience. Donc, ça peut être proche, ça peut graviter autour du tantra sans nécessairement être l'essence pure du tantra. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est la vie amoureuse, donc au niveau relationnel, au niveau sexuel, mais aussi l'expansion de la conscience. Donc, on est à l'ère du moment présent, mais c'est le cœur du tantra, le moment présent. Le tantra, ça existe depuis 7000 ans, donc ce n'est pas juste un concept à la mode. C'est une sagesse ancienne qu'on amène comme une nouveauté spirituelle depuis une dizaine d'années, mais ça a toujours existé. Alors bref, je me ramène à Tantra Québec, le groupe privé. À chaque semaine, je vais parler de sujets différents. Donc cette semaine, c'est quelle solution pour apprendre à aimer son corps? Parce qu'on sait à quel point les femmes sont complexées de leur corps. Ça les empêche de s'ouvrir dans la sexualité ou ça les empêche d'avoir confiance en elles pour rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être la sexualité sacrée, ça a déjà été le sujet, ça peut être l'œuvre de Jade, ça peut être le concept, le runner, le chaser que j'ai abordé, qui est extrêmement intéressant, qui est souvent dans la dynamique d'une relation amoureuse, quand il y en a un qui n'est pas aussi prêt que l'autre à s'investir, puis là, il sauve la relation, et ça crée toute une dynamique qui est intéressante à aborder. J'ai abordé la femme multi-orgasmique la semaine passée. La semaine d'avant, j'ai fait une entrevue avec un homme multi-orgasmique. Et dans deux semaines, je vais en faire une autre avec un jeune homme qui va venir nous parler de la respiration et l'expansion de conscience. Ça va être vraiment intéressant. Donc, ce sont des sujets comme ça que je traite dans Tantra Québec. L'accompagnement que j'offre en ce moment, c'est un programme de 12 semaines et c'est pour vraiment rétablir l'amour de soi qui débouche sur la confiance et l'estime de soi. Et aussi, à travers ces mêmes outils-là, on s'amène à travailler une sexualité qui devient sacrée aussi, un épanouissement sexuel. Donc, pour l'instant, je ne fais pas d'accompagnement seulement pour la sexualité sacrée. Ça va venir plus tard, c'est dans mes projets. Mais je trouve qu'à la base, j'ai deux piliers. Tantôt, tu m'as dit, ta spécialité, c'est la sexualité sacrée, c'est un des deux piliers. L'autre, c'est l'amour de soi. Mm-hmm. Et c'est la base de tout.
Alors, c'est pour ça qu'en ce moment, je développe vraiment ce pilier-là, l'amour de soi. J'accompagne des femmes et des hommes qui sont bloqués dans leur confiance, dans leur estime, puis qu'ils n'arrivent pas à vivre la vie amoureuse et sexuelle qu'ils voudraient vivre parce qu'ils ont toutes sortes de blessures qui les empêchent de faire circuler la vie en eux de façon fluide. Voilà. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis là. L'amour de soi, c'est vraiment, tout commence par l'amour de soi. Et c'est tout à fait normal que tu commences par ça. j'ai été loin de ça pendant des années, puis ça m'interpelle vraiment ce que tu dis là. Donc, je te remercie infiniment, Julie, pour toutes ces belles informations. Merci à toi, Christelle. C'est toujours un plaisir de partager. J'invite toute la belle communauté à découvrir donc tout ce que tu proposes avec plein de bienveillance, d'amour et de sourire. Ah oui, donc pour sourire dans la sexualité, allez explorer la sexualité sacrée, vous allez fondre de bonheur. Alors, on va offrir notre plus beau sourire à la belle communauté en rappelant qu'il est bon de sourire à tout, de sourire à tous et de sourire à la vie. Je vous dis. Merci tout le monde. À tout bientôt. Merci Julie encore. Et puis, on se retrouve sur ton beau groupe Tantra Québec. Oui, merci. Bye. Bye.